Bonjour et bienvenue pour ce flash sports.fr. Au sommaire, tennis, tournoi de Bercy, Paul-Henri Mathieu et Jocelyn Wana à la trappe, Serra et mon fils en lice ce mardi. Rugby, ça bouge à Toulon et l'interview du sélectionneur du 15 de France. Enfin, football, Bordeaux-Le Havre en ouverture de la 11e journée de Ligue 1. Et on commence par du tennis, le tournoi de Bercy, l'élimination ce mardi matin de Jocelyn Wana. Le Français a été battu par Robin Söderling, le récent vainqueur du tournoi de Lyon. Lundi, c'est Paul-Henri Mathieu qui a fait un petit tour et puis s'en est allé en vacances. Le 32e joueur mondial a été éliminé au premier tour en deux manches par Igor Andreev. Le Russe affrontera Gilles Simon mercredi. Ce mardi, entrée en lice de quelques Français, Florent Serra sera opposé à Canas et Gaël Monfils affrontera Juan Monaco. Des rencontres à suivre en live à partir de 11h sur sports.fr. Rugby, Crinca, le fusible après les mauvais résultats du RC Toulon. Le président du club a limogé l'entraîneur des avants. Jean-Claude Crinca paie le manque d'envie des joueurs. C'est tombé sur lui, je n'ai rien à lui reprocher. Je voulais un électrochoc, a souligné l'étonnant Mourad Boudjelal. L'ancien demi de mêlée et coach toulonnais Aubin Huébert lui succédera. Sports.fr s'est entretenu avec Jean-Claude Crinca juste après son limogeage. Retrouvez aussi l'interview de Marc Lièvremont. Le sélectionneur du 15 de France revient sur le nouveau dispositif de préparation des Bleus, la veille de l'annonce des 23 joueurs appelés pour les tests matchs de novembre. Football, début de la 11e journée de Ligue 1 ce mardi soir avec Bordeaux qui accueille le Havre à 21h. En cas de victoire, les Girondins s'empareraient provisoirement de la deuxième place. Pour le Havre 18e, l'objectif est de prendre quelques points pour rester au contact des non-relégables. A noter que lundi soir, Strasbourg est revenu d'Ajaccio avec le point du match nul, un partout. Les Alsaciens sont deuxièmes à 2 points du leader de Ligue 2. Voilà, c'est la fin de ce flash. Retrouvez bien sûr toutes ces news dans le détail sur notre site sports.fr. À suivre en live ce mardi à partir de 11h, bien sûr, le tournoi de Bercy avec les rencontres de Serra et mon fils, entre autres. Du football, 21h, Bordeaux-Le Havre et la 10e journée de la Bundesliga. Et du basket, 10e journée de Pro A, Le Havre-Rouen à 20h. Salut, à demain.